Joindre l'audio. Alors, l'enregistrement est lancé. On va lancer le direct sur YouTube. Voilà, pourquoi les autres scripts là qui m'expliquent comment faire là? Tac, tac. Je ne touche pas. Badaboum. How to code. Le machin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on est encore dans les petites installations. Vous allez bien? Très très bien, et vous? Eh bien, écoutez, très très bien aussi. Je finis la rediffusion aussi sur YouTube. Donnez-moi, hop, hop, hop. Bon, on est un petit peu en avance. Pas grand-chose, mais bon, quoi que non, c'est tout pile. Tout pile 15 heures, donc c'est bon. Je valide ça. Je vous partage aussi les droits de diffusion. Comme ça, si vous avez votre diaporama, vous êtes aussi tranquille. Vous avez ce qu'il faut. Ma collègue devrait pas arriver. Ah, j'ai un petit bout de soleil là, qui me tire l'écran. Bon, ça va aller, on est bien. On est bien. Bon, bah écoutez, ravi de faire votre la connaissance de Visu, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger uniquement par mail jusqu'à présent. Ravi de vous avoir avec nous. Pour présenter, alors que je n'écorche pas le nom, design, je vais dire, c'est comme ça, ou le C'est comme mot? design, sauf avec Comme un vous avez B. avec un B, oui, voilà, Ouais. ancien, voilà, donc design, donc école spécialisée effectivement dans un domaine très spécifique que je connais parce que j'utilise un ancien de ce milieu-là, même si je vais pas Bon. dire que j'ai renié mes origines. Si, si, moi j'ai fait, j'étais pas très très loin de Nice puisque j'étais à Toulon, j'avais fait l'Institut européen de design pour le master de l'époque. Bon, ça remonte à quelques années. Et j'étais aussi collègue étudiant d'un de vos professeurs, Monsieur Bardel Pascal, que je salue au passage. J'ai même pas le temps de lui dire que j'étais là aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, il m'en voudra pas. Non, mais il est petit toujours, oui. On Bon. court un petit peu après le temps. Donc, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Pour rappel, Djibouti, Espace Campus France. Nous sommes là pour faire la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Qui dit enseignement supérieur dit, bon, bien évidemment, très classiquement, les universités françaises, mais pas que. Il y a aussi différentes formations, spécialités. Écoles, instituts, etc., qui proposent des formations qui intéressent aussi nos étudiants étrangers, même si au pire des cas, ça ne les intéresse pas aujourd'hui, mais il est bien de signaler, de montrer aussi que la France n'est pas que des licences ou que des masters en université, qu'il y a du droit, il y a des mathématiques, il y a aussi du design, de la gastronomie, du marketing, il peut y avoir enfin, des tas de formations. Et c'est bien, voilà, de pouvoir montrer aux étudiants qu'il y a une diversité, une richesse de l'enseignement supérieur en France à un niveau très très large, très varié, très intéressant, puis surtout à un niveau d'excellence qui fait que les établissements tirent leur épingle du jeu par rapport même à d'autres établissements de pays concurrents. Voilà, il faut le signaler, le rappeler et l'expliquer à nos élèves. Madame Crévet, je ne veux pas non plus écorcher votre C'est nom. crevette, c'est comme la petite bête. Comme Madame Crévet, bah, très bien. Bah, écoutez, je vous laisse vous présenter, je vous laisse faire votre exposé. Voilà, on reste là en attendant. Sagement, on va écouter en bon élève et puis après on réinterviendra par la suite pour essayer de relayer les informations, etc. Si tout se passe bien. Donc c'est à Est-ce que vous. j'ai une question? On a donc il n'y a pas des personnes qui sont connectées en direct, c'est que Alors, par. pour le moment, on essaie de voir. J'ai lancé les activités. Si jamais il y a des étudiants qui viennent, ils se connecteront au fur et à mesure. Parce qu'on diffuse en direct aussi sur YouTube. On a aussi une diffusion dans notre salle. Bon, c'est vrai que là, on est sur une pause. C'est 15 heures de l'après-midi à Djibouti. Donc, c'est vrai qu'en général, c'est
Soit c'est un petit peu l'heure de la sieste, soit les étudiants qui commencent leur cours, ils peuvent être un petit peu sur le, sur leur campus. Donc à voir. On aura peut-être éventuellement quelques personnes, mais on va essayer de voir comment ça se goupille OK, par la une suite. dernière question. Est-ce que je fais la présentation en français ou en anglais? Français, français, Ah, pays OK. francophone, Djibouti. Voilà, si ça vous embête pas, plutôt en français. Non, 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 pas du tout. Par contre, ma présentation, du coup, je l'ai en anglais. Mais Allez, bon, on c'est en a, mais pas. c'est pas là, on va réviser nos classiques. OK. Très bien. OK. Ben, je suis prête si vous voulez. Ah bah allez-y, on vous écoute. Je vais Voilà, tout est partager lancé. mon écran. L'écran, Attendez. voilà, partagez-le. Voilà, on enregistre tout. Donc comme ça, tout est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, vous voyez mon écran? Très bien, Design Sustainable Design School, Université Côte d'Azur. On a fait Voilà. très très sud hein, cette matinée. On était avec Université Aix-Marseille pendant un petit moment. Donc voilà, maintenant c'est à vous. On reste dans la région ensoleillée. Bon, on a du Ouais, soleil ici. parfaitement. Donc Nice, Design Sustainable Design School, on est plus à l'est, dans le sud de la France, plutôt vers la frontière italienne. Une petite heure en voiture jusqu'à l'Italie, donc vraiment dans un coin aussi très très chouette de la France, avec la mer, les montagnes, etc. Mais le sujet aujourd'hui, c'est de vous présenter notre école. C'est une école de formation supérieure, donc qui vient après le bac. Moi, je suis Inken Crevette, je suis la responsable, la directrice des relations internationales de Design School et en charge donc du recrutement d'étudiants qui viennent de tous les côtés du monde, mais aussi en charge de la mobilité étudiante, donc de pouvoir permettre de passer un semestre ou deux dans une école partenaire. Je vais en parler un peu plus tard dans la présentation. Donc, Design, The Sustainable Design School est devenu Design très récemment, ça fait même pas un an. On était DSDS, donc The Sustainable Design School avant, et on s'est rendu compte que d'un côté, sustainable, c'est un terme qui est compliqué à saisir. Ça correspond à un concept qui est beaucoup utilisé, heureusement, parce que bon, il s'agit quand même d'une approche qui est bonne pour la planète, bon pour les personnes, mais parfois c'est aussi mal compris. Donc on a cherché un peu plus précisément qu'est-ce qu'on fait dans notre école, et on est une formation qui est très axée sur les personnes qui souhaitent se former chez nous et à devenir quelqu'un qui est capable de faire face à cette transition, vraiment de devenir un designer. Donc le être, to be en anglais, est devenu fondamental dans notre approche. Et ainsi, on a donc trouvé ce nom qui est Design School. Et nos étudiants, ce sont des designers. Voilà, donc dans cette présentation, je vais vous montrer où on est, quelle est notre offre. Comment se passent précisément les cours durant les premières années et aussi au niveau master un peu plus brièvement pour justement vous permettre d'avoir une idée qu'est-ce que vous attendrez si jamais vous viendrez vous inscrire chez nous. Voilà. À la fin de la présentation, il y aura aussi des explications sur comment s'inscrire, toute la procédure, etc. Voilà. Alors, moi, je suis dans cette école depuis 7 ans. Je suis de nationalité allemande. Vous avez entendu que j'ai un petit accent, malgré tout. Et voilà. Et donc, parler plusieurs langues, c'est aussi important dans le domaine du design, puisque c'est vraiment un métier qui s'exerce à l'international. Et c'est pour ça que notre formation reçoit des gens du monde entier. Alors, une petite photo de l'emplacement où on est. Donc, vous voyez là, il y a la grande plage de Nice et au bout, vous avez l'aéroport là. Et juste derrière l'aéroport, vous avez une autre grande baie et notre campus est juste derrière là. Tout ça, c'est la promenade des Anglais. Vous avez le vieux Nice, le vieux port ici. Et ça, c'est pas du photoshopping. C'est vraiment de la montagne juste derrière qui est visible depuis le campus. Et en 1 heure de voiture, vous y êtes, vous faites du ski.
Ça, c'est notre campus. C'est un bâtiment, un anciennement bâtiment de bureau qu'on a reconditionné. Donc, c'est du recyclage. Voilà, à l'intérieur, tout le bas, c'est une seule salle. Donc, on a des salles de conférences et puis à l'étage, des salles de cours. Et tout le bas, tout le comment dire, en dessous du bâtiment, on a un énorme atelier avec des machines, etc., pour permettre à faire des prototypes et des maquettes. Alors, notre formation, très important, l'ensemble de la formation a lieu en anglais. Hein, donc, pourquoi? C'est parce que, comme je disais lors de ma petite introduction, c'est qu'on a vraiment, vraiment envie de réunir des gens du monde entier, de mélanger ces profils différents parce que c'est riche, parce que ça fait partie aussi du processus de design, d'être créatif, de s'adapter, d'ouvrir un peu sa perception en fait d'autres cultures et d'autres normes. Hein. Ce qui est normal pour quelqu'un d'Asie, c'est pas forcément normal pour quelqu'un qui vit en Europe et donc et vice versa. Et donc toutes ces choses-là, un designer, il doit pouvoir les regarder différemment et les intégrer dans ses projets. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas du tout une école qui veut apprendre des langues, hein, on n'est pas une école de langue, mais parler anglais ou parler d'autres langues, ça fait partie du processus créatif. Hein. Juste un petit exemple, si jamais vous connaissez une ou plusieurs langues, vous avez plusieurs mots pour une seule chose. D'accord? Donc, déjà, cette chose-là, elle prend plusieurs dimensions, elle a plusieurs tonalités, elle est plus large dans votre perception. Donc ça, très clairement, fait partie aussi de la richesse de l'international et de ce mélange de cultures. Donc on a deux programmes. Un premier programme post-bac, bachelor en 3 ans, et un deuxième programme master en 2 ans. Voilà, donc bachelor, première année, est une année très intensive en cours, une espèce de prépa, si vous voulez. Là, ça fait 2 mois que nous étions commencé les cours et ils ont déjà appris énormément de choses. C'est vraiment quelque chose de très intense pour les outils de design. Donc, je vais entrer plus en détail un peu plus loin. Il y a un petit peu des projets déjà. Deuxième année bachelor, il y a aussi encore des fondamentaux, mais il y a des projets design qui prennent plus de place. Et en troisième année, là, vraiment, c'est inversé. Vous allez avoir beaucoup plus de projets, travailler sur votre projet de diplôme bachelor et déjà être dans une démarche qui est très, très, très professionnelle. Voilà. Niveau master, là, on est plutôt dans un niveau de vous permettre d'être les leaders, d'être celui qui va pouvoir induire la transition, qui va être celui qui est stratégique dans une entreprise, voilà, quelqu'un qui peut conduire le développement. D'accord? Donc, il y a beaucoup de cours aussi au niveau du leadership, du marketing, de management, mais aussi des outils de design durable. Voilà, comment je peux intégrer tout ça dans une entreprise qui fonctionne ou qui va fonctionner mieux parce qu'elle sera plus adaptée à la transition écologique. Deuxième année master, donc avec le projet de diplôme. Vous avez la possibilité de faire des échanges à l'international, soit ici en troisième année de bachelor ou alors en première année de master pour ceux qui ont fait le bachelor chez nous. Le diplôme s'appelle, au niveau bachelor, Assistant Designer in Sustainable Innovation ou designer assistant en développement durable, en innovation durable, pardon. Et le diplôme niveau master s'appelle designer en développement durable, pardon, encore une fois, en innovation durable. J'ai rêvé. Et donc, le diplôme master est reconnu par le RNCP, c'est le Registre national de la certification professionnelle. Et on a le plus haut niveau de cette certification. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous amener dans un petit voyage à travers des cours qui sont planifiés pour des étudiants en première année, deuxième année, troisième année, pour que vous puissiez vraiment comprendre la structure de la formation et avoir une idée avec comment, enfin,
pouvoir vous projeter, on va dire. J'ai mis un peu des photos aussi de nos profs et plus tard aussi de nos étudiants et de mes collègues du staff, parce que c'est important de voir des visages et de se rendre compte que voilà, on est une communauté et que nos étudiants font partie évidemment de cette communauté. Donc vraiment un cours qui est central, c'est de comprendre comment les Nations Unies vont définir les objectifs de développement durable. Donc il y a deux enseignants, c'est Marianne Mensah et Christelle Simon, qui vous amènent vers ça pour vraiment créer le lien aussi entre les 17 objectifs du développement durable et le design et la création de l'innovation sociale. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette introduction-là. Marianne, elle donne un autre cours sur le changement climatique pour, encore une fois, montrer quels sont les organismes qui travaillent là-dessus, quels sont vraiment les chiffres avec lesquels on travaille, quels sont les outils, comment on peut préserver la planète tout en faisant du design et quel est l'impact aussi de différentes procédures sur notre innovation. Donc, ça, c'est extrêmement fondamental. C'est parce qu'on n'est pas une formation qui cherche à amener des entreprises à faire du greenwashing, mais plutôt à être véritablement dans la vraie compréhension de comprendre que chaque pas qu'on fait a des conséquences, parfois dans un certain sens, parfois dans l'autre, et qu'il y a des bonnes questions qu'il faut se poser pour justement réussir. Hein, d'accord? Parfois, c'est très surprenant parce qu'on a des fausses idées sur certains matériaux, sur certaines procédures, etc. Et donc, où est-ce que je trouve les informations pour pallier à cela? Comment je travaille avec les bonnes personnes pour réussir, etc., etc. Donc, vraiment un cours très, très fondamental. Ensuite, on a Maury, notre doyen, qui donne un cours sur le panorama du design. C'est pour comprendre un peu comment le design, à travers le dernier siècle, une centaine d'années, a évolué et comment le design aujourd'hui, en fait, a pris complètement un autre visage. Le design a toujours été perçu comme quelque chose qui est très, très, quelque chose qui est joli, qui a de la beauté, quelque chose qui est plutôt dans le domaine du luxe, parfois même inutile. Alors qu'aujourd'hui, le design est devenu la discipline fondamentale qui permet justement de partir de l'utilisateur, de regarder les tendances, de toucher un public très, très large, parce que le design aujourd'hui, il est beaucoup plus utile que joli, dans un premier abord, ce qui n'empêche pas d'être joli, pour être attirant. Mais voilà, donc il y a vraiment une évolution qui a lieu au niveau du design, et important de la comprendre aussi, de savoir qui sont les grands personnages de design. Ensuite, il y a beaucoup d'entraînements et de cours avec Isabelle qui va vous apprendre à dessiner, à peindre, à peindre des perspectives, à vraiment être à l'aise avec, avec le stylo, mais aussi avec le pinceau, à pouvoir vous exprimer visuellement. Pourquoi? Parce qu'un designer, c'est quelqu'un qui s'exprime avec des visuels. Un ingénieur, ça va être quelqu'un qui s'exprime avec des chiffres. Un avocat, c'est quelqu'un qui s'exprime avec des mots, mais un designer, c'est vraiment avec des visuels. Donc, il s'exprime envers ses clients, il va essayer de convaincre ses clients par des visuels, mais il va aussi faire de la communication. Une fois que le projet est terminé, il va faire une communication avec des visuels. Hein, donc, c'est très important d'avoir des capacités de dessin. Donc, nos étudiants, ils ne savent pas tous dessiner quand ils arrivent à l'école. En revanche, ils savent le faire quand ils partent. Hein. Donc, on met beaucoup de plages d'horaire pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir être guidé par Isabelle et aussi par Mertha ici, qui, elle, est plus experte en couleurs, en aquarelle, etc. Deux enseignantes qui sont extrêmement puissante pour vous amener vers cette compétence artistique. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout une obligation de savoir déjà dessiner avant d'arriver, mais il faut avoir le goût pour faire ça. Parce que, comme je l'ai dit, vous allez passer beaucoup de temps en atelier
et apprendre à dessiner. Alors, une autre manière de dessiner qui est très spécifique au design, c'est le sketching, le rough et le storytelling. Donc, ce sont des méthodes où, avec quelques traits, vous allez pouvoir faire, on va dire, un dessin technique en dimension, pas tout à fait accompli, pas, vous voyez, c'est, parfois c'est même qu'un petit détail qu'on va dessiner, mais très rapidement. Encore une fois, pour permettre de vous exprimer et de projeter le client ou des personnes qui participent à votre projet pour les aider à se projeter. Donc, le dessin se passe aussi sur ordinateur. Donc, on a Arturo qui, lui, vous apprendra à faire du graphisme avec des logiciels. Donc, vous allez apprendre toute la suite Adobe, vous apprenez aussi à faire des modèles en 3D. Ça a aussi une conséquence sur non seulement l'expression et la communication, mais parfois aussi sur la capacité de ensuite pouvoir visualiser votre projet et de regarder est-ce que le projet, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que les mesures sont bonnes, etc. Parce que finalement, avec ces logiciels, vous pouvez aussi faire des ajustements ou tourner le modèle, etc., pour le regarder sur tous les côtés et voilà, vous aider dans l'innovation, dans le processus d'innovation. Ensuite, vous avez Maë qui vous amène vers la culture du design et l'histoire. Encore une fois, un designer, c'est quelqu'un qui est solide dans sa connaissance et qui sait défendre aussi son métier, ses capacités. Donc, de connaître cette culture-là, d'avoir des sensibilités aussi vers l'art, c'est très, très important. Là, c'est un autre slide sur tout ce qui est un dessin par ordinateur, donc Photoshop, Adobe Suite et le modeling 3D. Là, vous pouvez par exemple voir cette lampe, par exemple, vous la retournez sur l'ordinateur et vous voyez très bien quelles sont les mesures, est-ce que mécaniquement ça peut fonctionner ou pas. Donc, avant de passer à un modèle physique, ou avant de le mettre en production, c'est aussi une manière de vérifier que ça marche très bien. J'aime bien cette image-là que vous voyez peut-être pas très, très, très bien, mais c'était un projet qui se passait, qui était autour des salles de bain, où les étudiants étaient amenés à remettre en question les salles de bain et leur fonctionnement. Pour regarder, bon, est-ce qu'il n'y a pas des salles de bain qui sont mieux adaptées à des familles ou à des personnes toutes d'origine, notamment ici à des personnes qui ne peuvent peut-être pas forcément tenir debout. Donc ça, c'est en fait une douche où la personne peut s'asseoir et l'eau écoule, arrive vers l'eau, mais coule aussi sur la banquette et permet à la personne à se laver. Et remet aussi en question la quantité d'eau qui passe à chaque fois qu'on prend une douche. J'aime bien ça parce qu'on prend, par exemple, dans le monde entier, les douches, c'est devenu quelque chose qui est absolument normal. Mais bon, quand vous réfléchissez bien, ça ne fonctionne peut-être pas forcément si bien pour tout le monde. Voilà, donc un designer est tout à fait capable aussi de remettre en question des produits de notre quotidien où on ne pensera même pas les revoir, revisiter, alors que ce serait vraiment utile et grand temps de le faire. Ici, c'est une photo de notre atelier avec Michel Catania, un des enseignants dans l'atelier. Donc, un énorme espace avec des machines qui permet aux étudiants de construire des petites maquettes ou des prototypes. Encore une fois, maquette plus pour dans un sens de communication, de faire voyager les clients ou les participants d'un projet. De prototypage, ce serait plus pour essayer est-ce qu'un tel projet ou est-ce qu'un tel produit fonctionne bien ou est-ce que c'est vraiment nécessaire de revoir certains aspects techniques. Voilà, donc on arrive en deuxième année de bachelor.
Sur la gauche, vous voyez Grant Linscott, qui est notre directeur académique, donc de l'ensemble du programme, des deux programmes d'ailleurs. Et à partir de la deuxième année, bachelor, vous allez avoir plus de projets, notamment des challenges mensuels. Donc, par exemple, avec des sujets qui sont toujours autour du développement durable, de l'innovation sociale. Par exemple, comment on peut recycler ou réutiliser de l'eau dans notre maison, une seconde vie des emballages, les vêtements durables, etc., etc. Donc, ce sont des challenges où les étudiants travaillent individuellement sur leur propre projet. Et voilà, il y a une évaluation à la fin du mois et hop, ils basculent vers un nouveau challenge, avec un nouveau sujet. Et c'est vraiment une manière de s'exercer et de regarder, est-ce que j'ai bien compris le processus de design? Est-ce que je suis bien capable de décliner les différentes étapes? Alors, on a aussi quelque chose qui s'appelle le Partnership Projects, les projets partenariats qui sont, on va dire, la colonne vertébrale de la formation à notre école. Et je dirais, à partir du fait que la formation chez nous est en anglais, ça, c'est le deuxième aspect qui nous différencie vraiment avec les autres écoles de design en France, c'est qu'on a ces partenariats avec l'industrie et on conduit des projets, c'est-à-dire 5 à 6 par semestre avec ces entreprises. Et dans ces projets-là, qui durent tout le long du semestre, chaque deuxième semaine, nos étudiants travaillent sur leur projet partenariat. Et c'est quelque chose de fondamental parce qu'en début du semestre, on a un kick-off, donc une première présentation avec par entreprise une problématique. Et donc les étudiants font leur choix et on crée des groupes et on mélange des étudiants de tous les niveaux. Et voilà, ce groupe-là, avec sa problématique-là, avec son entreprise, va travailler comme dans une agence de design et dérouler tout le processus. Tout en étant évidemment encore étudiant. Ça veut dire quoi être étudiant? C'est que si vous faites des erreurs, vous n'allez pas être mis à la porte. Au contraire, ça va vous aider à apprendre et à pas répéter cette erreur une fois que vous êtes à votre compte ou que vous travaillez vraiment, que vous gagnez votre vie. Donc, c'est un processus pédagogique. Très semblable à un stage. Hein. C'est comme si vous étiez en stage. C'est vraiment c'est comme un jeu, on va dire, quelque part, parce que bon, vous n'avez pas un vrai contrat avec ce projet-là, mais c'est très sérieux. Hein. Donc, les étudiants jouent bien ce jeu-là parce que les présentations sont faites d'une manière extrêmement professionnelle. C'est comme si on était en situation. Et le learning goal, ou en fait, vraiment l'objectif d'apprentissage, c'est aussi de savoir s'exprimer, connaître le vocabulaire qui fonctionne bien, de pouvoir défendre son projet, de pouvoir préparer les questions qui peuvent venir de la part du client, de pouvoir amener le client vers des projets qui répondent au développement durable ou à l'innovation sociale, ou les deux. Vous voyez, donc l'apprentissage est à la fois au niveau des étudiants, mais aussi des entreprises qui justement arrivent à comprendre l'impact et la valeur ajoutée du développement durable. Donc très intéressant. Évidemment, lors de ces projets-là, vous rentrez vraiment en contact avec des représentants des entreprises qui viennent à l'école lors de la présentation, qui reviennent à l'école à la fin du semestre pour la présentation finale et qui sont en contact avec leur groupe durant tout le semestre. Donc, une belle manière aussi de créer un premier carnet de contact, mais aussi éventuellement de trouver des positions de stage, etc. Ou quitte de l'emploi. Hein, on a des étudiants qui sont actuellement en stage à Decathlon, à Hermès, à Toyota également, voyez, à la métropole Nice Côte d'Azur. Donc, c'est vraiment quelque chose, on va dire, des partenariats qui sont très vastes et qui sont très profonds au niveau de la formation. Là, on a une photo de ces kick-offs en début du semestre. Donc, vous voyez ici une représentante de la mairie de Nice qui a fait travailler nos étudiants sur un sujet de la sécurité à Nice.
Et donc, elle présente le projet, et, les attentes, la problématique, etc. Là, je vous ai mis un exemple aussi, un des projets qu'on a fait avec Toyota. Donc, la problématique, c'est comment on peut faciliter la mobilité des personnes âgées en région rurale, parce que ça, c'est un problème qui existe en France, mais pas seulement en France, c'est aussi un problème qui existe en Chine, en Amérique latine, un peu partout dans le monde, où les jeunes quittent le monde rural pour travailler et vivre dans les villes, et les anciens, ils veulent pas suivre, hein, ils veulent rester dans leur vie, leur environnement qu'ils connaissent, et ils ont de plus en plus du mal. Donc les étudiants, disons, c'était pour Toyota, mais les étudiants, ils n'ont pas projeté une voiture, mais ils ont créé ce petit module qui travaille avec une application téléphone. Donc elle peut, ça se déplace tout seul, soit à côté de la personne ou alors même sans la personne. Donc il y a aussi de l'intelligence artificielle et qui peut être chargée de courses ou des choses trop lourdes pour des personnes âgées pour les porter. Voilà, donc c'est le e-shopper. Un autre projet qu'on a fait avec Toyota, ça a lieu à Tanzanie. Je l'ai choisi parce que dans cette présentation, parce que lorsqu'on travaille sur des projets qui sont à l'étranger, on envoie toujours un petit groupe d'étudiants sur place pour qu'ils fassent la première phase de recherche. Donc là, vous voyez Andy qui a fait partie de ce groupe-là. Ils étaient quatre à partir en Tanzanie. Ils ont vécu pendant 10 jours dans un village Maasai. On a eu avec une enseignante de nous, on a eu une fois un groupe qui est parti en Inde, une fois un groupe qui est parti en Chine. Enfin, ça dépend des projets pour justement déterminer quelle est la recherche, qu'est-ce qui est nécessaire pour avancer sur le projet. Voilà, comme je disais, très important aussi de savoir présenter. Donc là, on a une espèce d'énorme mapping d'un projet de diplôme d'ailleurs entre Michel et Elena qui ont passé leur diplôme ensemble. Donc il y a des concepts, il y a des outils de présentation que vous allez apprendre pour être premièrement convaincant. Que ce soit votre projet de diplôme, que ce soit votre projet partenariat avec l'entreprise. Donc, vraiment convaincant, mais aussi très professionnel. D'accord? Donc, sortir de l'école avec la capacité de présenter des choses propres et intéressantes, surtout, et convaincantes. On arrive en troisième année du niveau bachelor, où vous apprenez aussi. Le design thinking, ici avec Grant, donc des manières de travailler le design et d'avoir une construction, on va dire plutôt mentale, de différents processus du design. Ce sont des processus qui sont en fait reconnus à l'international, qui sont aussi remis en cause à l'international, mais une manière de se retrouver dans le développement par un designer. Donc, on est dans une approche déjà un peu plus, on va dire, intellectuelle aussi, et dans quelque chose où on a le développement d'un produit bien construit, avec des phases de recherche, avec des phases de prototypage, avec des phases de construction, et qui permettent donc à travailler en groupe avec plusieurs designers dans le processus créatif. J'aime bien cette photo parce que vous voyez un peu l'ambiance aussi à l'école. Bon, là, c'était encore lors de la pandémie, donc les masques, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Mais on est debout en salle, il y a des post-it sur les murs. Enfin, ce n'est vraiment pas comme dans une école classique où vous êtes assis derrière la table et l'enseignant il est devant vous sur le tableau. Alors, en troisième année du bachelor, vous allez valider votre diplôme bachelor avec un projet, un major project, qui est lui, bon, c'est Grant qui est notre directeur académique, qui est un peu le garant de la qualité de ce projet-là. Donc, vous voyez ici, c'est en fait en 3 pages un résumé d'un projet par un étudiant, mais on voit très bien avec
avec la phase d'analyse, la phase de développement, les objectifs de développement durable qu'il a fléchés pour son projet-là, et ensuite aussi du modélage, des aspects techniques, voilà, le sens derrière tout ça, pourquoi, pour qui, quand et où. Hein, donc, toujours aussi des questions et des réponses à des questions. Donc, un designer, quelqu'un, ben, vous voyez déjà ici, c'est un métier qui est très riche et qui est très ambivalent aussi, parce qu'il y a des compétences théoriques, hein, au niveau de la recherche, etc. Compétences de communication, parce que quand on fait de la recherche, souvent aussi, il y a besoin d'interroger des gens, etc. Mais aussi des compétences techniques, savoir faire au niveau des matériaux, au niveau de la production, etc., etc. Je bascule vers le niveau master où je vais aller être beaucoup plus rapide parce que si j'ai bien compris, dans cette réunion, il y a beaucoup de lycéens, donc ça serait beaucoup plus tard. Niveau master, comme je disais, niveau master, ce sont des personnes, des diplômés qui vont en fait, eux, conduire l'entreprise vers des projets. Hein, ça va être quelqu'un qui doit avoir cette capacité-là. C'est plus tellement quelqu'un qui exécute les idées de quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui a lui-même des idées, qui sait les chercher, qui sait les implémenter et d'en faire un succès. Donc, il y a des cours sur le branding, user experience, savoir faire des recherches sur l'entrepreneuriat, marketing, la communication, le management du projet des équipes. Sur les systèmes, les synergies, les symbioses, aussi sur les design futures, donc le futur du design, les tendances, l'innovation, l'anthropologie, l'innovation sociale, la méthodologie du biomimétisme, la biodiversité, le design pour la biodiversité, le design context et la culture du consommateur. Celui-là, j'ai mis deux fois. Design, je dois l'aimer beaucoup. Ensuite, le design for impact, donc le design qui est vraiment là pour faire, pour changer les choses. Le design pour le développement durable. Voilà. À chaque fois, donc un petit peu à nouveau avec les visages de nos enseignants pour vous aider à vous projeter. En deuxième année de master, les étudiants passent leur diplôme. Donc là, il y a Lorenzo qui a passé sa présentation de diplôme. Laurent Bouzige, qui est le master, on va dire, le directeur du diplôme chez nous, est aussi un designer chez Toyota. Donc quelqu'un qui pratique le design professionnel et qui est très proche des étudiants et qui vraiment cette réputation de les aider dans leur projet de diplôme, puisqu'elle a toute la deuxième année de master, les étudiants vont écrire un mémoire, ensuite travailler sur leur projet de diplôme et en dernier passer 6 mois dans une entreprise en stage. Je vous disais qu'il y a possibilité de faire des échanges à l'international. On a beaucoup d'écoles internationales qui reçoivent, mais qui nous envoient aussi des étudiants. Donc, que ce soit ça, l'Inde, le Japon, la Chine, Floride, Pérou, Chili, Argentine, l'Allemagne, l'Italie, etc. Il y en a encore d'autres. D'ailleurs, on en a signé encore d'autres qui ne sont même pas sur cette charte-là parce que, voilà, les écoles nous aiment bien et puis non seulement Nice c'est un endroit très très chouette parce que voilà c'est un bel environnement mais Design School c'est vraiment aussi une école qui est très différente par rapport à d'autres écoles dans le monde donc on est attractif et on reçoit des étudiants de tous ces pays-là. Où sont nos diplômés? Il y en a 70% qui travaillent dans des petites, moyennes, grandes entreprises. 30% choisissent la voie d'entrepreneuriat, comme par exemple Margot, non, pardon, Iris ici, qui a créé une entreprise qui s'appelle, une agence qui s'appelle Osiris. Vous pouvez la trouver, vous faites un Google Research, vous la trouvez. D'ailleurs, elle a fait un TEDx hein, aussi. Très intéressante. Elle a fait un constat, son constat de designer, c'était se porter sur les hôpitaux et sur
on va dire, le parcours des familles des malades. Lorsque vous avez quelqu'un qui est très malade dans la famille, en fait, c'est très dur pour aussi pour la famille de vivre cette période de la vie. Et donc, elle est enfant, elle a souffert malheureusement aussi d'une telle situation. Et donc, elle a pris cette expérience-là pour créer une agence qui a beaucoup de succès aujourd'hui parce qu'elle a des employés elle développe des parcours patients et des parcours des familles des patients dans les hôpitaux pour que ça se passe mieux pour tout le monde et pour les employés des hôpitaux et pour les médecins, mais aussi pour les malades et leurs familles. Quelque chose qui a à revisiter dans tous les hôpitaux de France, je suppose, mais également à l'international. Vous voyez, donc à nouveau une intelligence créative qui a tout son lieu d'être un peu partout. Alors, comment s'inscrire chez nous? Tout se passe par le site. Si vous allez sur notre site designschool.com, vous allez trouver un formulaire, un petit bouton qui s'appelle Contact Form. Donc, vous cliquez là-dessus et il y a un petit formulaire avec trois questions, votre nom, numéro de téléphone, votre adresse mail, donc sûrement très, très court. Vous le remplissez, que vous voulez vous informer sur l'école ou que vous voulez vous inscrire, peu importe, ce contact form ne vous engage à rien. Par contre, ça va nous permettre à rester en contact avec vous et à vous envoyer la procédure d'inscription, de vous envoyer un lien, par exemple, aussi avec mon calendrier à moi pour vous permettre à prendre un rendez-vous individuel avec moi pour qu'on puisse regarder est-ce que vous avez le bon profil, quelles sont vos questions, est-ce que je peux vous aider à venir vous inscrire chez nous, parce que on fait cet accompagnement individuel parce qu'on sait très bien que c'est une étape énorme de quitter son pays pour venir en France pour faire des études. Donc, on fait vraiment cet accompagnement individuel. D'accord? Donc, tout ce qu'il nous faut, en fait, c'est des formulaires à remplir avec ensuite certains documents comme pièces d'identité, etc. Donc, vraiment des documents classiques. Voilà, on est une équipe de 5 personnes qui sont là pour aider les étudiants à s'intégrer. On travaille avec beaucoup d'organismes, comme vous connaissez Campus France, mais aussi le CROUS, des résidents étudiants privés, des assurances, des banques, des allocations familiales, la sécurité sociale. Enfin, ce sont tous ces organismes avec lesquels on a un lien privilégié. L'université aussi Côte d'Azur-Nice, dont on est membre fondateur. Et donc, ça veut dire que à travers nous, on va vous aider à trouver vos repères, à pouvoir trouver un logement, à pouvoir trouver les aides qui sont possibles, éventuellement des scholarships, comme on dit déjà, des bourses, voilà, etc. Hein, donc, on a cette capacité de faire un accompagnement individuel. C'est peut-être aussi l'avantage d'être dans une école, petite école privé, parce que pour nous, chaque étudiant est une personne et qu'on a vraiment un encadrement plus individuel. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Encore une dernière photo sur l'ambiance à l'école, cours de dessin en première année. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour des questions. Je suis à vous. Merci, merci beaucoup, Iken, pour cette présentation, cette belle présentation hein, qui effectivement dépeint tout le parcours d'un étudiant qui arrive dans une école dans une école de design, mais qui commence effectivement au début par travailler son coup de crayon, son dessin, etc. Parce qu'effectivement, les métiers du design, ce sont effectivement la créativité du dessin. Et puis, quelquefois, il faut juste avec un bout de crayon sur un coin de table ou sur un bout de papier faire un petit sketch afin juste d'expliquer brièvement un concept, une idée, ou même simplement parce que quand on est en train de réfléchir, on a une petite idée qui traverse la tête. Donc, il faut la mémoriser vite fait. Donc, le dessin à la main est effectivement
la base. Effectivement, beau parcours hein, de la première jusqu'à la quatrième, cinquième année pour tout ça. J'ai effectivement, vous avez bon, j'avais prénoté des questions, mais vous avez plus ou moins répondu effectivement au niveau des niveau d'études, etc. Pour un étudiant qui souhaiterait bah, pareil, enfin, démarrer, donc vous ne prenez que des étudiants en première année ou est-ce que vous incorporez par exemple des étudiants en deuxième ou peut-être en troisième année, si peut-être s'ils viennent d'une autre école ou s'ils ont un cursus. Est-ce qu'il y a des cursus particuliers qui permettraient à un étudiant d'intégrer votre école enfin, pour gagner entre guillemets une ou deux années? Ce serait quoi comme type de profil? Alors, tout à fait, on appelle ça l'admission parallèle, donc on le fait fréquemment, c'est tout à fait possible parce que c'est normal aussi que des étudiants se trompent dans leur choix et finalement, en cours d'année ou au bout d'une première année dans une autre école, viennent chez nous. Alors, là, on va regarder très, très précisément quelles sont les capacités des étudiants et qu'est-ce qui fait vraiment sens. D'accord? Donc, si quelqu'un a commencé à faire du design dans une autre école, hein, ben, normalement, il n'y a pas de problème pour intégrer chez nous directement en deuxième année. On a la capacité aussi de. Enfin, on a des cours d'été, des programmes courts pendant l'été et des cours, on appelle ça, de mise à niveau en septembre, qui nous permettent de regarder ou de ramener ces profils-là vers ce qui est déjà existant. Mais bien évidemment, on est une école, donc on veut former des jeunes et c'est important d'aller dans le sens de chaque étudiant et de l'accompagner dans sa formation. Donc, hors de question de lui faire faire des doublons inutiles. Par contre, hors de question aussi de planter quelqu'un qui, voilà, on va pas l'amener dans un parcours où on sait parfaitement qu'il va pas réussir parce qu'il n'a pas tout ce qu'il faut, tout le Pas le bagage pour niveau, pas ni le niveau ni les prérequis, ou peut-être que la Exactement. cohérence de son projet n'était pas complètement identifiée, qu'effectivement il est pas dans le, il est pas dans le, dans les bonnes. Très bien, très bien. Comment donc sinon après un étudiant classique, il est en cours là, il est en terminale, il a envie de postuler chez vous, donc la période exacte de candidature, enfin. C'est à quel moment qu'il est préférable pour lui de candidater chez vous et par quel donc directement sur la plateforme, enfin, si je me trompe pas, donc il vous contacte. Donc il fournit quoi? Il a un formulaire, il passe les entretiens, il a un portfolio à vous fournir. Qu'est-ce Oui, que tout à fait. Alors, c'est bien que vous me posiez la question. Je n'ai pas du tout parlé de notre calendrier. On a commencé les admissions maintenant. C'est ouvert déjà D'accord. parce que les plus grands salons, notamment à Nice, ils ont déjà eu lieu. Oui. Et donc, c'est maintenant que ça se passe. C'est intéressant de s'inscrire le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'il y a, voilà, déjà, il faut se projeter dans une nouvelle vie, mais aussi les procédures de visa qui sont pas très facile depuis notamment la pandémie. La préfecture en France, bah, ils sont débordés de travail, donc il faut vraiment prendre ça en considération. La phase principale de s'inscrire, c'est entre janvier et mars. Voilà. Mais ceux qui veulent déjà se positionner maintenant, se garantir une place, les inscriptions sont déjà ouvertes. D'accord. Donc, effectivement, il y a le formulaire à remplir. À la fin du formulaire, il y a une possibilité de télécharger un CV, un portfolio pour ceux qui l'ont. Un portfolio pour des lycéens, ça peut être un petit peu avec des œuvres qu'ils ont faites pendant leur formation à l'école, ou alors peut-être avec un projet qui n'a rien d'artistique, mais qui est plus dans l'innovation sociale ou un engagement ou quelque chose qui peut faire ressortir pourquoi je veux prendre cette voie-là, pourquoi j'ai cette conviction ou pourquoi ça me parle hein, de travailler dans le développement durable ou dans l'innovation sociale. Et le portfolio, ça va être comme un support lors de l'entretien. D'accord. Donc, les étudiants, ils vont passer un entretien de demi-heure, 40 minutes, soit avec notre directeur académique ou avec le doyen de l'école, qui est aussi le créateur de l'école. Donc, deux personnages très intéressants. Donc, c'est vraiment, nos prospects, ils passent vraiment un bon moment, un échange très intéressant avec ces personnes-là. Et l'idée, c'est d'identifier que personne ne se trompe.
ni le prospect, le futur étudiant, ni nous sur, voilà, sur les valeurs qui sont portées par l'étudiant. Donc, ce qui est fondamental, c'est cette ouverture d'esprit, ce sont les valeurs, c'est la sensibilité. Je veux dire, ça, ce sont vraiment des choses qui sont recherchées beaucoup plus que d'avoir 20 sur 20 en maths ou en je ne sais pas quoi. D'accord? C'est, D'accord. même si parfois il y a des profils atypiques, ça, évidemment, ce sont toujours des personnes intéressantes. On n'a pas d'espèce de classement comme ça peut être le cas dans d'autres écoles. Très bien, très bien. En termes, donc je crois que vous l'aviez mis au début de votre diaporama. Donc, en termes de financement, donc les coûts annuels sont de combien à peu près? Puis est-ce qu'il y a des possibilités, enfin, est-ce qu'il y a des systèmes nouveaux? Alors, je sais que vous êtes un petit établissement, ça a l'avantage effectivement d'avoir un côté un peu famille, on est très peu nombreux, donc vous n'avez peut-être pas forcément les solutions que pourrait avoir une grosse faculté ou une grosse université d'apporter des bourses, mais est-ce que vous proposez des bourses ou d'autres moyens pour aider des étudiants qui seraient intéressés par ces formations, mais qui financièrement seraient un petit peu coincés? Oui, tout à fait. Alors, on a deux tarifs différents. Une fois un tarif pour des étudiants européens, et en fait, ça suit vraiment une politique européenne de différencier non pas par pays, mais d'ouvrir ce tarif à tous les pays membres de l'Union européenne. Et un deuxième tarif pour les ressortissants non européens. Nous, on a fait le choix d'avoir une différence de prix qui est assez minime et qui correspond en fait vraiment aux frais de bancaire, etc., qu'on doit couvrir pour un étudiant qui vient de loin. Donc, il y a une différence de 1 000 euros entre ces deux profils-là. Une inscription en première année, c'est donc pour un Européen 6 900 euros et pour un international 7 900. Et à partir de la deuxième année, on arrive à 9 600 pour un Européen et 10 600 pour un non-Européen. Alors, on a tout à fait une bourse qui, depuis le début de la création de notre école, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle SDS Friends et qui va justement aider les étudiants internationaux à financer les études parce que depuis quelques années, nos étudiants français ont la possibilité de demander la bourse du CROUS. Ce qui n'est pas le cas pour les internationaux. Donc, c'est ainsi, on essaie d'égaliser entre ces deux profils différents. Et donc, vous pouvez voilà, demander à être soutenu par cette bourse-là, qui D'accord. serait renouvelée automatiquement sur les 3 années du nouveau bachelor. Donc, si vous l'obtenez pour la première année, ben, elle sera reconduite deuxième et troisième année. Pour pas vous lâcher lors de la deuxième année, dire ben voilà, maintenant c'est fini la bourse, c'est juste pas possible. Et elle est, niveau bachelor, elle est à 1 000 euros par an. Et donc, ça fait une bourse totale de l'établissement de 3 000 euros pour quelqu'un qui réussit à l'avoir en niveau bachelor. Mais alors, chez Campus France, il y a une jolie page, il y a un onglet où sont regroupées toutes les bourses possibles pour chaque pays, en fait. Et je dirige. Nos prospects vers ces pages-là, parce que c'est vraiment là qu'on peut identifier des bourses et les financements possibles. D'accord. Très, très bien. Très, très bien. Et vis-à-vis de l'université de Nice, quels sont vos liens? Qu'est-ce que éventuellement l'étudiant est aussi un truc? Parce que c'était ce que j'avais compris, un étudiant qui, par exemple, est dans un lycée prépa, enfin, une école préparatoire pour intégrer, parce qu'on appelle les CPGE, les concours de préparation aux grandes écoles, pour intégrer une école d'ingénieur. Même s'il est dans un lycée, pour être considéré comme étudiant, il est inscrit dans une université. Donc, est-ce que c'est le même cas pour vous, ou est-ce qu'il est, ou alors est-ce qu'il a son propre statut et donc il ne peut pas peut-être bénéficier des aides que l'université de Nice pourrait apporter à d'autres étudiants? Enfin, il n'y a pas de lien particulier, pour les aider? Si, il y a un lien très particulier parce que l'université Côte d'Azur, c'est en fait une COMUE, c'est-à-dire une communauté d'universités et d'établissements d'éducation supérieure et qui a été créée une petite dizaine d'années en arrière dans l'objectif de créer des pôles de formation dans différentes zones de France. Donc, l'université de Nice fait partie de ce pôle Université Côte d'Azur.
Et Design School a été une des écoles, une des institutions fondateurs de ce pôle de formation. Donc, D'accord. on a participé à la création de l'Université Côte d'Azur. On est une des écoles du Collège d'art dans ce pôle-là. Et on a gardé aujourd'hui, on va dire, un statut associé à l'Université Côte d'Azur. Donc, ça veut dire que nos étudiants ils vont pouvoir bénéficier de beaucoup de supports établis par l'université. On a le logo, vous allez le voir présent sur notre site, sur le diplôme. C'est vraiment c'est quelque chose qui est très présent. On est très actif. Après, on n'est pas une formation publique Oui. universitaire. Alors, il faut vraiment comprendre quelle est la différence entre une université et une COMUE, comme c'est le cas avec l'Université Côte d'Azur. Voilà. Mais nos Parfait. étudiants, par exemple, ils ont le droit d'utiliser l'Université U, les médecins qui sont mis en place, l'accompagnement psychologique des étudiants qui sont en difficulté, qui est gratuit pour tous les étudiants des écoles membres de l'Université Côte d'Azur, tout ça, on rentre dedans. On fait partie de cette famille-là. Ça c'est bien, et puis vous l'aviez aussi expliqué au début, l'accompagnement que vous proposez effectivement aux étudiants qui arrivent, parce que comme vous disiez, quand on a 17-18 ans, on a tout juste bachelier ou bachelière, c'est pas toujours évident de quitter papa-maman, même si on a envie, voilà, on est majeur, mais en même temps, c'est un grand mot qui veut dire beaucoup de choses. Et qui en même temps bah, peut faire aussi un petit peu peur, parce que la réalité est que quand il faut se débrouiller par ses propres moyens, se loger, se nourrir, etc., ce n'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que c'est des petites attentions que vous portez aux élèves qui sont intéressantes et rassurantes aussi bien pour les élèves que pour les familles et les parents qui doivent voir leur progéniture. À prendre pour un petit bout ça sera prendre l'avion parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de train ou de voiture pour aller rejoindre l'Europe et la France. Donc c'est vrai que c'est des petits trucs en plus qui sont quand même très intéressants pour ça. Bon, on a une petite question effectivement donc quelles filières peuvent être intégrées? Bon, ben, je crois que vous n'avez pas de filière particulière. Vous acceptez tous les profils, c'est Tout à surtout fait. Alors, comme vous disiez ça que ouais, c'est une bonne question. Les filières, on prend toutes les filières, comme c'est souvent le cas dans les écoles de design ou d'art aussi. Donc, pas la nécessité d'avoir fait un bac S ou ES ou quelque chose. Toutes les filières nous intéressent. Finalement, justement, de créer une espèce de mélange va aussi ouvrir la diversité d'une classe. Et voilà, donc. Encore une fois, nos critères de sélection, c'est plus les valeurs que porte un étudiant, son intéressement pour le développement durable, etc. Et puis, Donc, comme vous c'est disiez, ça. les motivations, l'ouverture d'esprit, Ouais. les valeurs, la sensibilité, bon, les projets innovants, parce qu'effectivement, du design, c'est pas juste faire des jolis dessins ou faire des produits, voilà, qui sont entre guillemets tendance, mais qui vont fonctionner 6 mois. Non, non, il y a une véritable fonction, il y a des utilités importantes. Ça doit, voilà, c'est pas juste du beau temporel. Non, non, c'est un peu plus que Non, c'est un non, peu non. plus complexe que ça. Donc Tout à effectivement, fait. c'est important d'avoir ces notions-là, puis surtout comme vous l'expliquez, dans les domaines de l'innovation, dans les domaines de la durabilité, dans les domaines de l'écologie et puis de l'avenir et tout ça. Oui, alors juste pour finir, peut-être avec un Oui, tout allez-y. petit Non, non, exemple. allez-y, allez-y, on a encore un petit peu de Quand vous temps. regardez aux menaces de la planète, évidemment, tout le monde a le plastique en la tête. Le plastique qui flotte dans la mer, qui est dans la terre, qui est trouvé partout. Donc, on comprend qu'il y a pendant des décennies un très mauvais design d'emballage qui est à l'issue aussi de cette problématique-là. Donc là, quand on visualise ça, on comprend qu'est-ce que le design peut avoir comme impact dans le mauvais sens et dans le bon sens. Donc, voilà, pour vous dire, est-ce qu'il y a du travail dans le domaine du design? Oui. Oui, certainement, il y en a de partout, effectivement. Et
Et quand en plus il y a des bonnes idées, effectivement, c'est ce qui rendra le, c'est ce qui rendra effectivement à l'étudiant ou en tout cas au futur employé un intérêt particulier pour les entreprises, parce que quelqu'un qui réfléchit bien, qui pense bien, qui a des bonnes idées, des choses très très simples, très concrètes. Il aura effectivement sa place, soit comme en tout entrepreneur, ou éventuellement en réussissant à vendre son idée dans des plus grosses entreprises à travers le monde. Écoutez, je crois qu'on a quasiment effectivement épuisé notre temps de parole, si je peux comparer ça à presque aux élections présidentielles en France. Mais vraiment, mais c'était bien, c'était la belle présentation. Voilà, bon, quelques questions effectivement qui étaient importantes aussi à rappeler. Est-ce que vous avez éventuellement un petit mot de la fin pour conclure votre intervention Oui, pour que ça devienne pas, pour que ça reste pas virtuel et superflu, hein, pensez-y à passer par un autre site pour me contacter, pour nous contacter. On est très réactif et derrière notre site, il y a des personnes et voilà, et on essaye vraiment d'avoir une communication directe avec des prospects, avec des personnes qui veulent s'inscrire, des futurs étudiants. Pensez-y et n'oubliez pas que tout ça, tout ce que je viens de dire, je peux le répéter, je peux aussi le représenter devant les parents, il n'y a aucun souci. Et sur notre site, d'ailleurs, se trouve aussi un enregistrement d'un des webinaires qu'on avait fait l'année dernière. Voilà. Vraiment avec beaucoup plaisir et Très bien. écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu un petit peu au pied levé à notre invitation. C'est toujours plaisant, voilà, de pouvoir faire ce genre de webinaire, de montrer effectivement des petites pépites comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je trouve ça toujours aussi intéressant de varier effectivement la communication et puis de montrer que il y a plein de petites choses qui peuvent se faire en France, qu'il y a, bon, vous avez présenté un petit peu la ville de Nice au début. Voilà, ça fait partie aussi des très belles villes et sur les jolis bords de mer à vivre. Je pense que la vie étudiante doit être très agréable là-bas. Ça doit être plutôt très, très plaisant. Voilà, le donc climat si aussi, le c'est climat vraiment l'est, voilà, il y intéressant. a une belle ambiance, c'est une belle ville qui est à dimension humaine. Voilà, vous avez une jolie école qui, effectivement, par rapport à d'autres établissements plus petits, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais en tout cas, voilà, merci de votre intervention, merci d'avoir répondu là-dessus. On essaiera pourquoi pas de reproposer ça à d'autres moments, d'autres périodes, voilà, histoire de continuer, bien évidemment, à communiquer auprès de nos étudiants et vous, bien évidemment, à faire des présentations, peut-être un jour, si vous avez la chance d'avoir un étudiant djiboutien dans vos locaux. Là, ça peut être aussi une occasion de faire un petit focus aussi pour faire des petites interviews. Voilà, c'est des petites choses qui sont assez sympathiques à réaliser. Très Voilà, bien. merci en tout cas beaucoup. Bonne continuation à vous, à tous Également. vos élèves, et puis au plaisir d'une prochaine rencontre ou d'un prochain événement de ce genre. En tout cas, nous aussi, nous sommes à disposition si jamais vous avez besoin de relayer des informations, de relayer des prospectus ou quoi que ce soit. Les espaces Campus France sont là pour ça aussi, pour vous. Voilà. Oh, merci Merci beaucoup. beaucoup et Au au revoir. plaisir. À très Bye bientôt. Merci. Au revoir et à bientôt en tout cas. Merci. bye. À bientôt.